Coucou et bienvenue sur Ecrea Channel. Voilà, je reviens vers vous car j'ai un petit peu avancé sur ma petite boîte. Voilà. Donc, avec la petite boîte de chez Ikea, voilà. Donc, j'ai avancé. Donc, j'ai mis ceci. Alors, je vous explique. Donc, je la démonte. Donc, là, j'ai changé la dentelle. J'en ai mis la plus large. Donc, ça vous fait ceci. Ensuite, sur le fond de la boîte, j'ai mis les joubans comme ça. Donc j'en ai mis tout le tour. Bon, en dessous, j'ai rien mis. J'ai juste mis ici. Puis là, à l'intérieur, ben, j'ai rien mis non plus parce que toutes les boîtes vont venir s'empiler dedans. Donc avec le plateau, et puis ça vous donne ceci. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai collé et j'ai mis de la dentelle que j'avais reçue de chez Tonton Ali. Et j'en ai mis aussi tout autour sur la plus grande des boîtes et j'ai collé la petite photo que je vous ai montrée. Mais là, vous voyez, il y a un petit bouquet. Ici, il y a un petit bouquet. Voilà, et j'aurais voulu, si j'avais su, je l'aurais brodé. Mais voilà, j'ai eu qu'une idée après. Donc là, ce que je vais faire pour que ça ressorte, je vais mettre des petites perles. Et oui, alors attendez, j'essaye. J'ai pas pris le même pied, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez voir. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre de la colle et je vais prendre des petits trucs comme ça. Voilà, j'ai commencé à faire un tri et comme j'avais reçu celles de Chali qui sont ici, voilà, du coup j'étais en train de les mettre. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, écoutez, je vais mettre une jolie petite rose comme ceci. Au milieu de mon bouquet. Donc, je vais la coller. Oups. Attendez. Je vais en mettre une. C'est les mêmes. Voilà. Je récupère celle-ci. Elles sont belles, hein, regardez. Celle-là, il faut que j'en recommande parce que là, j'ai à côté, j'en ai des plus grosses. Là, elles sont beaucoup plus grosses. Et celles-ci, elles sont beaucoup plus fines. Et regardez déjà. Envoyez la colle sur du tissu. Moi, j'utilisais celle-ci. Franchement, elle est bien. Ouais. C'est de chez Action. Vous le trouvez dans la Brion bricolage. Alors, du coup, avec la petite rose, ça fait ça. Et autour, je vais venir mettre des petites roses comme ceci pour former un bouquet. Hop, je vais les positionner côté vert, côté feuille. Voilà, et je vais les positionner autour en fait. Bon, attendez, parce que là c'est assez délicat parce que c'est des toutes mini. Je vais me greffer sur la rose qui est là. Donc là, je vais en mettre plusieurs.
voyez, je vais en mettre tout en fait. Ça rentre bien comme je veux. Donc, ça va être pile poil là. Là, juste une petite ici pour que ça fasse un joli petit bouquet. Oh. On enlevera les fils de colle après. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Et ben voilà, ça fait joli. Et elle tient son petit bouquet de fleurs. Ça fait mimi, je trouve, hein. Et ça fait une belle déco pour la boîte. Et là, j'y mettrais bien une petite fleur. Mais je vais en mettre une petite blanche. Une mini, mais en blanche. Ouais, ça va ressortir. Il faudrait que j'essaye d'en trouver une jolie. Non, celle-là, la plus petite, elle ira. Je vais juste aller sur le petit nœud. Hop. Et la poser. Délicatement sur son petit nœud. Voilà, ça fait un ensemble. T'as vu? J'adore, c'est trop mignon. Et j'avais envie de mettre un tout petit nœud. Mais juste un petit chouïa sur la robe. Au niveau de la ceinture, mais je ne sais pas si ça va être possible. J'aurais voulu lui mettre un tout petit nœud. Je vais essayer d'en faire un avec mon plus petit tisse, avec mon plus petit des rubans que j'aime beaucoup à poids. Oh, attendez, il est juste là à côté de moi. Ah non, c'est du large. Il me reste plus du fin. Si, il doit me rester du fin. J'en commande toujours du fin et du large. Eh bien, je crois bien que non. Zut. Zut. Bon, ben, je vais essayer d'en faire un petit fin avec celui-là. Du coup, ouais, zut. Bon, on va essayer d'en faire un. On va en bidouiller un. Hein. Avec ça. Ouh, je vais refermer ça parce que sinon. Ouais, ça fait chouette. Moi, j'aime bien. Première fois que je le fais, ce truc-là. Mettre des petites roses comme ça. Essayer de faire un mini nœud. Voir un peu ce que ça donne. Cette grandeur.
Alors, je promets rien. Je regarde. Je sais pas ce que ça va faire. Ça pourrait faire pas mal. Je vais essayer de le resserrer un peu plus. Ça serait pas mal. Eh bien, on va le coller. Hop, on va bien mettre. Ouais, ça fait plutôt pas mal, regardez. Vais couper là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vous me le direz dans les commentaires. Pas mal, hein? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait un beau bouquet. Ça fait joli. Ouais, j'aime beaucoup. Avec la petite fleur, là, dans les... Dans les petits ici là, j'aime bien. Voilà. Alors ensuite, pour cette petite, donc cette boîte là. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors c'est bien parce que ici maintenant j'ai installé ma machine à coudre. Comme ça je le laisse sur mon... Si je veux coudre quelque chose, je l'ai tout de suite là. Alors ici, du coup ça va vous donner comme ça. Hein, je vais vous relever. Voilà. Je vais mettre la petite fille ici, un petit pot là. Ça va faire ça. Ensuite, je vais lui mettre. Alors, j'ai fait un deuxième pot. J'ai mis de la dentelle et j'ai mis le petit tissu comme ça que j'ai collé déjà ici et qui a un petit rappel en fond. Ça va donner ça. Et. Ça va donner ça. Voilà. Voyez? Et là, j'étais en train de peaufiner la petite. Voilà, je voulais en mettre autour. Puis, mais par contre, je vais en mettre que comme ça. Ici, sur les deux autres côtés, je ne vais pas en mettre pour pas que ça fasse une épaissière pour épaissir la boîte tout autour. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça ne va pas faire joli. Voilà, ça va donner ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à peaufiner. Alors, pour finir, alors j'avais des, je sais pas avec quoi je pourrais finir. J'avais eu l'idée de Christine. Vous savez, Christine, elle m'a envoyé une jolie carte et elle avait fait les petits nœuds comme ça. Et je pensais refaire la même chose, copier sa petite idée de Christine, de mettre un petit nœud, oups, et de mettre une petite perle.
elle est où partie? Où la petite perle? Oh oh. Elle est là. Voilà. De faire ça ou alors de mettre un nœud et de... Bah zut alors. Alors c'est tellement fin. Je vais y mettre une petite pointe de colle, comme ça elle partira plus. Voilà, comme ça j'ai pu la perdre. C'est une petite pointe de colle ici, puis après vous l'enlevez et votre perle elle va se coller. Voilà, elle partira plus. Et j'avais envie de faire ce petit truc là parce que je trouve ça trop mignon, sa petite carte, et que ça pourrait bien rendre. Alors j'avais préparé des petits nœuds. Voilà. J'avais préparé des petits nœuds comme ça. Et je voulais mettre mon aiguille au milieu. Mais ces aiguilles sont plus jolies que les miennes. J'en trouve celle que j'avais. Alors ce que je vais faire, eh ben, je vais mettre des belles fleurs. Je mets des belles petites fleurs comme ceci. Donc j'en mets une ici. On va rester dans les tons. Que je la remonte un petit peu la boîte. On va voir ses petits pieds. La petite fille. Bon, elle est trop mimi. Après, si vous voulez pas mettre ça, on peut. Hein. On peut ne pas les mettre ça. Hein. Et vous mettez autre chose. On peut jouer en fait avec. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez ici. Hein. On n'est pas obligé. Je pense que des petits pots, ça tiendrait. Tiens, voilà. Vous voyez, faites des petits pots du même style. Et puis ça, vous la gardez, vous la mettez ailleurs. C'est trop mignon. Oh, j'adore avec le bouquet de fleurs. Moi, j'adore. Enfin bref, voilà. Donc ça, on va remettre ça. Je remettrai l'autre après. Et du coup, la fleur, je vais venir la mettre ici. Hop. Et je vais la mettre dessus. Ça fait trop mimi. Et je pense que je vais en faire une pour mettre là. Ou quoique je mette un embellissement ici. Ouais, je vais mettre un embellissement. Ouais, je vais mettre un embellissement là. Et puis je vais la terminer. Puis je vais voir comment je vais la terminer, puis je la montrerai après. Ça, je vais mettre là. Là. Et je vais faire des autres embellissements pour pouvoir la mettre. Mon petit truc, là, j'aurais dû le décaler un peu. Mais c'est pas grave. Ou alors... de voir pour faire quelque chose, j'ai une petite idée. Je regarde quelque chose, mes petits abonnés. J'aurais dû la monter ici. Enfin,
Enfin, je vais voir. Je vais voir comment je vais me bidouiller ça. Voilà. Je vais vous la montrer quand j'aurai fini. Mais là, le truc de la petite, petite fleur, là, j'aime beaucoup. Le petit bouquet avec le petit nœud. J'ai raison de faire le petit nœud parce que bah, j'aime bien. Moi, ça me plaît bien, cette histoire de petit nœud. Ouais. Puis ça change. Vraiment, on dirait qu'elle a un bouquet de fleurs dans les mains, voyez. Ça fait trop joli. Je vais peut-être mettre... je vais voir. Je vais voir comment je vais faire après. Alors, je vais voir ça. Donc, eh ben, écoutez, je suis indécise là. Alors, au lieu de tourner en rond et te faire perdre du temps sur une vidéo, je vais. Je reviendrai vers vous avec la boîte finie. Ouais. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, moi, je vais continuer ma petite boîte parce que j'aime bien ma petite boîte. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Recreate Channel. Bisous, bisous, mes abonnés.